Bon ben allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Fait que dans le fond, aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo genre ben mais relax, là, je suis comme pas peignée, je suis pas maquillée, genre tu sais, ben relax. Parce que je voulais vous montrer mes cadeaux que j'ai eu pour ce Noël 2017. Alors, c'est parti! Mon premier cadeau vient de mon frère et c'est du chocolat de chez Chocolat Favori. Fait qu'en fait, c'est que moi, ma sorte préférée, c'est Dulce de Leche. Donc ici, j'ai deux palettes de Dulce de Leche. J'ai aussi une petite fondue de Dulce de Leche. Et j'ai une grande fondue, mais ça, c'est comme chocolat au lait régulier que on va probablement utiliser comme pour le jour de l'an ou quelque chose du genre. Puis j'ai déjà comme mangé une palette. Ouais. Qui m'écrit, là? Des gens qui m'écrivent sur les internets. Donc j'ai eu ce kit du Sephora de la marque First Aid Beauty. Puis c'est la première fois en fait que je vais essayer de leurs cosmétiques, leurs produits en fait. Donc j'ai bien hâte d'essayer ça. Puis dans le fond, dans le coffret, il y a un nettoyant, des rondelles éclats du visage, un masque à effet rebound, puis une crème de nuit. Donc bien hâte d'essayer ça. Après ça, j'ai un kit de 4 masques du Sephora sous une formule d'argile. C'est la première fois que je les vois en formule d'argile. Puis dans le fond, c'est fait pour 4 besoins. Le premier, c'est matifié. Ensuite, c'est défatigant énergisant que j'ai déjà essayé en feuille. Il y a aussi hydratant lissant et revitalisant tonifiant. Puis ça dit que chaque masque est bon pour 4 utilisations. Et l'autre produit du Sephora que j'ai eu, c'est un lip paint de chez Tarte dans la teinte TBT. C'est la même couleur que sur l'emballage, là, fait que c'est comme un genre de rose brun, là. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Après ça, j'ai eu le livre de Pile Cloutier, puis j'ai déjà commencé à lire, puis pour vrai, je l'aime tellement. Je trouve que il est beau. Sa manière d'écrire, c'est vraiment comme je trouve lui quand tu le vois dans ses vidéos. L'intérieur est super beau, c'est comme vraiment genre coloré. Après ça, j'ai eu des petits bochots comme ça, qui viennent de La Vie en rose. Ben cute. Après ça, j'ai eu ce pyjama, puis là, il est à l'envers, donc les pochettes sont... les pochettes s'arrochent, mais un beau petit pyjama comme ça, là. Le haut, il est comme ça, puis là, il paraît un peu plus rose à la caméra, mais il est vraiment comme mauve, là. C'est écrit « Huga pronounce... » En tout cas, je ne lirai pas, là, parce que c'est bien long, mais c'est une belle petite citation, ben cute. Voilà. Après ça, j'ai eu une carte cadeau du Bota Bota, puis ça, je vais beaucoup l'utiliser parce que j'ai vécu beaucoup de stress dans la dernière session d'école. Alors, ça va faire du bien. Puis là aussi, de mes parents, je vous la montrerai pas parce que comme elle est vraiment loin sur mon lit. Bon, j'ai reçu une superbe couverte de Bigarade. Si vous savez pas c'est quoi dans le fond, Bigarade, c'est une compagnie québécoise qui a d'ailleurs pignon sur rue à Montréal, sur Sainte-Catherine. C'est comme Sainte-Catherine dans le coin de Hochelaga-Maisonneuve. Puis pour vrai, ils font tellement des beaux produits comme découvertes. Je pense qu'on appelle ça de la literie en termes d'adulte. Sérieux, j'étais vraiment contente. Puis c'est vraiment comme une couverte lourde où est-ce que genre, quand tu dors, t'es comme dans un cocon. C'est genre ben fun. Puis là, le prochain cadeau, genre c'est même pas une joke, j'ai pleuré. Comme je vous avais dit dans ma vidéo de opinion impopulaire, j'aime sincèrement Occupation Double. Puis aussi, ben comme vous l'avez vu si vous avez regardé Occupation Double cette année, c'est Jay Dutombe qui animait. Puis moi en fait, ça fait comme vraiment longtemps que je le connaissais, puis que je l'aimais beaucoup. Puis mes parents m'ont fait un calendrier de Jay Dutombe. Regardez ça! Genre, c'est tous mes parents qui ont comme choisi les photos. Genre, sérieux, c'est juste comme vraiment drôle. Fait que si Jay Dutombe se passe par là, ben, il y a un calendrier à ta face, là. Puis c'est ben drôle. Ensuite, des cadeaux que j'ai reçus de ma grand-maman. J'ai reçu ce chandail-là que je vais vous montrer. C'est vraiment comme un chandail crop top que j'aime beaucoup. Puis comme à chaque année, moi, je reçois comme des petits chandails. Puis je sais que lui va être probablement le chandail que je vais beaucoup porter en 2018. Bon, après ça, j'ai reçu un autre chandail du garage que là, je sais vraiment pas comment vous le montrer. Ce genre de chandail en mèche ici, puis là, les manches sont genre toutes à l'intérieur. Sérieux, je suis la pire pour montrer les vêtements. Je sais pas, comme, je plie pas mon linge dans le bon sens.
il y a tout le temps des manches qui sont rentrées à l'intérieur. Donc voilà, c'est un petit chandail comme ça, mèche, puis à l'intérieur, il y a une camisole et pour vrai, la gang avec des petits jeans, tie haut, des petites bottes. Ça va être bien, bien cute. Mes parents m'ont aussi donné ce miroir, c'est le True Glow de la marque Conair. Puis comme vous voyez, c'est comme un miroir sous forme ovale, puis tout ici, c'est comme un genre de halo illuminé. Il ressemble à ça. Bonjour, bonjour. Il ressemble à ça. Puis non, pour vrai, je l'aime beaucoup. Puis je trouve vraiment que c'est une bonne grandeur puis une bonne forme pour venir se maquiller. Donc, je l'aime bien, bien. Après ça, j'ai reçu des coupons et des cartes cadeaux du H&M. Beau magasinage. Des hauls à venir. Bien, bien lit. Ensuite, ma grand-maman m'a donné un coffret de plein de produits de chez Lush. Fait que dans le fond, j'ai trois bombes pour le bain. Un fondant, puis deux... c'est quoi? Je sais plus c'est quoi les termes, là. Mais j'ai eu comme la petite étoile comme ça, sous un bâton de cannelle. Puis le petit bonhomme de neige! Je le voulais tellement, pour vrai, là, j'étais fou contente quand j'ai vu quand il était dans le kit. Et finalement, le dernier cadeau vient de ma meilleure amie et c'est le jeu Mon cochon. Sérieux, la gang, c'est vraiment un jeu le fun à jouer avec sa gang d'amis. Jouez pas avec des jeunes enfants hein, parce que faut se fier au nom du jeu. Hein. C'est des mots cochons. C'est tellement drôle. C'est maintenant, ça va faire partie de mon kit que j'apporte le studio pis ça parce que... C'est sincèrement très très drôle. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo de ce que j'ai eu pour Noël en 2017. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, mettez un thumbs up. Et on se voit très très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!